Papa, raconte-moi une histoire. Il était une fois un roi qui vivait tout seul au monde. Il tailla un pot pantin de bois, mais ce petit nez semble bien trop long. Vous connaissez sa silhouette. Salut, je m'appelle Pinocchio. Voilà de... C'est l'heure de l'école. L'école. Vous connaissez ses mensonges. Oh, j'ai terriblement mal à mon ventre. Quoi? Tu vois ce qui arrive à ceux qui disent des mensonges? Tu me fais de la peine. Et pourquoi? Parce que tu n'es qu'une tête de bois paresseuse et indisciplinée. Blablabla, bla, bla. Demain je m'en vais, je pars à la découverte du monde. Découvrez Pinocchio. Pinocchio! Comme vous ne l'avez jamais vu. Plus vrai, plus étonnant que jamais. Est-ce que toi aussi, tu pars au pays des jouets? Moi? Oh, le pigeon a mordu à l'hameçon. Eh bien, c'est diaboliquement simple. C'est quoi, ceci? Non, j'étais juste... Ah! Il s'est mis dans un sacré pétrin. Et à l'heure qu'il est, mon père est sûrement mort de tristesse. Pinocchio! Pinocchio, t'as des oreilles d'âne! Peut-être que si tu te comportais un peu comme il faut, tu pourrais devenir un vrai petit garçon. C'est vrai? Oh, où en étais-je? Ah oui. Puis, par une nuit de tempête, le père prit la mère à la recherche de son fils. Pinocchio, une histoire éternelle, bouleversante, magique.